Un hippopotame qui portait un bonnet blanc et un chapelet autour du cou. C'est quand même très étonnant. L'hippopotame leur dit, voyez-vous, je consacre maintenant ma vie à Dieu. Alors ils se rappelèrent du proverbe qui disait, celui qui voyage longtemps voit beaucoup. Deuxième semaine, ils rencontrèrent un taureau qui avait beaucoup de plaies sur son corps et malgré ses blessures, un sourire radieux illuminait son visage. C'est quand même très... Mais qui voyage? Nana yezimbe, nana yezimbe, nana yezumare, nana zimbe. Encore une semaine de marche, ils rencontrèrent une vache. Elle était grosse, tellement grosse que sa peau était luisante. Et pourtant, cette grosse vache broutait une touffe d'herbe qui pouvait tenir dans la main d'un bébé. C'est quand même très... Mais qui... Où allez-vous? Dit la vieille vache. Nous irons... du fleuve sacré si on peut. La vieille vache énorme leur dit, prenez donc ce chemin et suivez votre chemin. Encore une autre semaine de marche et là ils rencontrèrent une autre vache, mais celle-ci était maigre, tellement maigre qu'on pouvait voir son cœur battre. Et pourtant elle avait une prairie de l'eau fraîche. C'est quand même très mais qui Nana yezimbe, nana yezimbe, nana yezimbe, nana yezimbe. Et juste avant d'arriver au village, ils rencontrèrent une gazelle qui galopait sur trois pattes. Si c'est vraiment... Mais qui... La gazelle les mena jusqu'au village avant de disparaître. Et à l'entrée de ce village, il y avait une vieille dame. Après les salutations, la vieille dame leur dit, vous cherchez qui? Nous cherchons Jogomai. Alors la vieille dame leur dit, allez sous ce grand tamarinier, il y a des enfants qui jouent. Vous leur demandez qui est Jogomai?